Heureux de vous voir.
Bonjour.
ne dois pas. Charge.
en soi. Bienvenue, Vengeur. J'ai eu vent de vos exploits et suis impressionnée. Peu de mortels sont capables d'affronter les trois et leurs créatures. Mon nom est Natalia. Je pourchasse le mal et fais partie d'un ordre ancien voué à combattre les sorciers corrompus. Si je le pouvais, je me joindrais à vous pour affronter les trois. Mais je dois attendre ici pour en savoir plus. Je ne peux prédire ce qui va arriver, mais le danger est encore plus grand que nous le pensons. Avant de recevoir mes aides, je peux toujours vous aider en vous confiant ce que je sais. Mon ordre surveille Ormus depuis des années. Il semble être le champion du bien, mais qui sait quelles ombres rôdent dans son esprit. Bonsoir. Salut. Charge. Vous avez trouvé le cœur de Kalim. Il vous donnera le courage d'affronter Mephisto. Placez-le dans le cube Oradrim à côté des autres reliques de Kalim. L'œil, le cerveau et le fléau. Ah, j'ai plaisir à vous revoir. Thank you.
t'inquiète pas trop. Thank you.
Charge.
trop chargé. Je ne dois pas trop me charger. C'est impossible. Je ne dois pas trop me charger.
pouvoir. Charge. Correctement utilisé, le fléau de Kalim peut détruire l'orbe d'envoûtement et ouvrir ainsi le chemin menant à Mephisto. Placez-le dans le cube Oradrim à côté des autres reliques de Kalim, son cœur, son cerveau et son œil. Transmutez-les pour accomplir la volonté de Kalim. Détruire le Grand Conseil Zakharum n'était que la première étape. Il faut aussi détruire l'orbe. Diablo et Baal approchent du but, il n'y a pas de temps à perdre. Thank you.
Heureux de vous voir. Charge. Trop chargé. Il me faut une clé. Thank you.
suis trop chargé. Je suis trop chargé. Charge. Bonsoir.
Que vous faut-il ? Bonjour à vous. Désormais la paix régnera. Bonjour. Thank you.
suis trop chargé. Je ne dois pas trop me charger. Vous êtes à la hauteur de nos attentes. Diablo s'est retiré en enfer et son frère Baal a dû le rejoindre. Passez la porte des enfers et tuez le seigneur de la terreur avant que tout ne soit perdu. Au combat, tu as gagné l'admiration d'Ormus. Mais tu ne mettras pas fin à ce conflit en restant ici. Tu dois franchir la porte de l'enfer et arrêter Diablo une fois pour toutes. Bien battu. Nous faisons de vous un membre honoraire des Iron Wars. Heureux de vous voir. C'est formidable. Vous nous avez sauvés. Je rirai bien, mais j'en ai même plus la force. Thank you.
Bonjour. On dirait que vous allez me précéder en enfer, glisser un mot gentil sur moi. Je suivis vos instructions, Tyrael. Je me rendis au temple du Zakharoum. Là, au plus profond des entrailles du temple, je trouvai réunie une bien sombre assemblée. L'Odeur, Talracha, et un démon qui ne pouvait être que le Seigneur de la Haine en personne. La voix que j'entendis alors me transperça le cœur de mille aiguilles. Mes frères, nous voilà enfin réunis. La porte infernale est prête. L'heure de la victoire absolue est arrivée. Que souffre la voix de l'enfer. Ainsi le mal, autrefois défait, s'élèvera de ses cendres. Prenant une apparence humaine, il se mêlera à la foule des innocents. Et enfin la terreur consumera tous les misérables qui peuplent la terre. Les pluies de flammes enverront le ciel. Les océans seront rougis par le sang. Le triomphera de la vertu, la création tout entière tremblera devant l'invincible vague infernale. Jamais, mortel, n'aurais dû voir ce que je vis alors. La porte est ouverte. Thank you.
Il vous faut maintenant détruire la pierre d'âme de Mephisto. Emportez-la aux forges infernales. Placez-la sur l'enclume et frappez de toutes vos forces avec le marteau. C'est le seul moyen d'empêcher Mephisto de revenir dans notre monde. Heureux de te revoir. La défaite de Mephisto est une grande victoire pour la lumière. Je savais que tu finirais par venir jusqu'ici. La forteresse de Pandémonium est le dernier bastion du paradis avant les portes de l'enfer. Cet endroit est béni par le sang de milliers de champions de la lumière, pour la plupart mortels comme toi. La dernière bataille contre les démons originels est imminente, et tu devras la livrer seul. Il m'est interdit de te venir en aide directement, mais pas de te donner quelques conseils. L'heure du triomphe des mortels a sonné, l'heure de ton triomphe. Que la lumière te protège, et que les pouvoirs du paradis éclairent tes pas. Une âme sombre et torturée a été prisonnière de ce royaume maudit il y a fort longtemps. Les mortels l'appelaient Isual. C'était mon plus fidèle lieutenant. Un jour, contrevenant à mes ordres, il lança un assaut fatal contre la forge de l'enfer. Malgré sa valeur et sa force, Isual fut capturé par les démons originels et corrompu par leurs pouvoirs pervers. Ils l'ont forcé à trahir les siens et à révéler les secrets les mieux gardés du paradis. Il devint l'ombre de ce qu'il fut, un ange déchu ayant perdu la confiance du paradis sans gagner celle de l'enfer. Pour ses fautes, l'esprit d'Isual fut enfermé dans le corps d'une terrible créature sortie des abysses. Son esprit aliéné réside dans cette enveloppe monstrueuse depuis une éternité. J'estime qu'il a assez souffert. Je t'implore, héros, de retrouver Isual et de mettre fin à ce cruel emprisonnement. Délivre-le de sa culpabilité et de sa souffrance. Il y a longtemps, j'ai prêté serment aux Oradrim et à leurs descendants. Puisque Descartes Cain est le dernier représentant de cet ordre, je ne laisserai pas périr loin de la terre qu'il a vu naître. N'aie crainte, je sais qu'il est ton ami. Il ne lui arrivera rien. Oui ? Tyrael vous a demandé de combattre Isual le déchu. Il a une grande confiance en vous. Prenez garde. Vous êtes notre dernier espoir. Que vous faut-il ? Faut-il ?